Bonjour tout le monde. Alors, on est aujourd'hui le 1er novembre et j'ai terminé le Inktober 2020. Donc, comme à chaque année, je vais vous faire une petite vidéo. Donc, l'année dernière, je vous avais fait une vidéo de mes Inktober de 2019. Maintenant, oups, ici. Alors, Inktober 2020, voici, on commence. Alors, le premier jour, c'était fish, poisson. Le deuxième jour, c'était Wisp. J'ai eu de la misère à savoir Wisp, qu'est-ce que c'est? C'est mèche fumée. Donc, j'ai pensé à une lampe magique. Donc, un peu de magie avec une lampe d'Aladin et quelques livres, histoire de voyager dans différents univers. Alors, je vous dis en même temps les impressions que j'ai eues à chaque jour. Donc, ici, c'était bulky, qui veut dire volumineux. Donc, jour 3. Donc, c'est sûr, en mois d'octobre. L'Halloween, une immense citrouille. Puis là, je me disais, mais est-ce qu'il y aura possibilité pour les enfants cette année de courir l'Halloween? Ben, finalement, oui. Les enfants ont passé l'Halloween hier à Knowlton et ils ont bien du plaisir. Alors, le jour 4, c'était radio. Donc, radio, ben, j'étais chez ma maman cette journée-là. Puis j'ai dit, bon, ben là, je fais mon Inktober, je vais être à jour. Puis elle avait une espèce de gros radio, là, qu'il n'y a pas si longtemps où on mettait des CD. Donc, le jour 5, alors on a Blade, Lame. Le jour 6, Rongeur. Puis là, j'ai souri, puis j'ai ri tout le long que j'ai fait cette petite souris-là. Puis je me rends compte, finalement, que j'adore faire des genres de petits bonhommes comiques. Ça me met bien de bonne humeur. Le lendemain, Fancy, le jour 7. Donc, qui n'a pas dans sa garde-robe une robe noire passe-partout. Elle peut tout autant être sobre que chic. Donc, avec quelques accessoires. Voilà. Le jour 8, Teeth, dents. Donc, ça, ce sont des dents de loup. Donc, ceux qui marchent avec un bijou en dents de loup ont un esprit vif et une logique pour rétablir l'équilibre dans leur vie. Donc, mais moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec ce genre de bijoux. Parce que là, je me dis, oh, pauvre petite bête. Mais bon. Ça, je l'ai fait. Ça a été rapide. C'est throw, lancé. Donc, allez, hop, on se lance. Plus rapide que rapide, ce croquis, c'est le. Ben, j'ai trouvé ça bien le fun de dessiner à tous les jours. Donc, on se lance et on expérimente. Donc, j'ai fait ce dessin rapidement ce matin. J'aime aller directement à l'encre avec des traits rapides ici et là. C'est ce que je préfère. Je n'ai plus de plaisir à dessiner lorsque. Ben, c'est ça. Quand j'essaie de prendre mon crayon à mine avant, ben là, ça commence à être dur, puis j'efface, je recommence pour enfin, ça me tente plus. Alors, ça, c'est ma technique. Mais à chacun de trouver son style. L'important, c'est vraiment d'avoir du plaisir à dessiner. Puis, ben, à pratiquer tous les jours, je vous dis, ça aide, ça améliore. Puis, tout le monde peut y arriver si vous avez le goût, là. Alors, cette image-là, j'ai une banque d'images qui me touche, que j'ai sur mon ordinateur. Donc, ça a été croqué aussi rapidement. Donc, c'est espoir. Espoir. Ah, encore un truc qui m'a fait rire tout le long. Donc, j'ai souri, c'est ça. J'ai rigolé. Donc, beaucoup de plaisir à réaliser cet Inktober-là. Donc, c'est disgusting, dégoûtant. Un autre bonhomme qui m'a fait sourire. Slippery, glissant. Ici, on a d'une, juste une noire, juste de l'encre noire en ombre chinoise. Voilà. Ici, armoire, Inktober, armure. Donc, c'est ça, je prends mes petites notes. Je suis douce et gentille, aimante, compréhensive, accueillante. Mais je dois tout de même me protéger. Je ne veux plus souffrir. C'est ce que m'a inspiré ce dessin-là, beaucoup de douceur, mais faut quand même se protéger. Alors là, ben, on voyage dans le temps, c'est retour en arrière. Là, le mot, c'était avant-poste, donc outpost. Donc, de 91 à 2001, ça, c'est la vue que j'avais tous les jours lorsque j'habitais sur un bateau dans le vieux port de La Rochelle. Et j'en ai peint et dessiné beaucoup de ces tours et vendu sur le port. Donc,
C'était un plaisir pour moi de refaire 20 ans après. Donc, ça, c'est la tour Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, oui, c'est ça. Et puis encore, un genre de dessin bande dessinée avec Rocket Fusée. J'ai tout de suite pensé à la BD de Tintin. Donc, j'ai trouvé cette photo-là, puis je l'ai croquée. Et ici, ben, on retourne encore un peu dans mes vieux souvenirs de bateaux, de tempêtes, de mer, parce que j'avais traversé l'Atlantique là, avec mon mari en 1991. Donc là, c'était storm, tempête. Ici, je me suis fait vraiment. Ben, je me suis fait plaisir. Bon, je pense que ça dit tout. Piège. Jour 18, trap. J'aime bien faire des petits bonhommes encore. Daisy, étourdie. Voilà. Jour 20, corail. Encore un peu de magie. J'aime bien ces images qui font rêver et nous transportent dans un autre univers. Et là, sleep, dormir, ben, un petit loup, un petit bébé, dans un foulard. Donc, j'ai un peu pensé à mon petit-fils, là, qui est souvent dans sa petite poche et que ma fille transporte sur elle. Jour 22, allez hop, pas beaucoup de temps cette journée-là. Donc, rapidement, c'est chef, chief. Et jour 23, rip. Rest in peace, hein, rip. Ça peut être autre chose aussi, mais pas beaucoup de temps non plus cette journée-là. J'avais de la visite. Mais j'étais à jour. Jour 24. Jour 24, c'était dig creusé. Donc, j'aime bien ça, faire des enfants. Je trouve ça cute. Ouais, c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Encore ici. Avec Buddy, copain, deux petites filles qui s'apprêtent à descendre l'escalier. Donc, dessin fait rapidement. Toujours en retard, là, je l'ai posté le lendemain. Pas facile de rester à jour. Donc, la ligne qui se cherche, l'ami qui cherche un appui, une écoute. J'ai pensé à ça tout le long. Alors, ici, aide cachée. J'ai tout de suite eu en tête cette image que j'ai cherché un thème que j'avais déjà traité. À l'époque où j'étais à La Rochelle, un grand pastel d'une femme voilée que j'avais vendu sur le port. Ce croquis lui ressemble beaucoup. J'aime beaucoup les regards, l'humain, pour voir tout le sens de l'humain. Ici, musique. Ben, j'ai pensé à ma sœur quand j'ai fait ça, parce que ma sœur est musicienne, auteure, compositeur, elle interprète, elle a une superbe voix. Et je vous dis aussi, les photos, je les trouve sur Pixabay. Il y a des photos gratuites. Donc, c'est vraiment intéressant quand on cherche des thèmes. Et ici, encore la mer, encore la mer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est flotter, float. Et bien sûr, la mer, le voilier, les rêves qui nous transportent dans des mondes féeriques. Font que je m'y retrouve, donc se laisser bercer par ce qui est bon, doux, bienveillant et amour. Amour avec un grand A. Tu sais, l'amour, là, qui est le ciel, les étoiles, la nature, le un, là. Donc, la fusion avec le tout, ne faire qu'un. Et je rêve encore. Ça, c'est mes thèmes préférés. Hop! Une petite bottine. Petite bottine, fait rapidement. J'aime bien, finalement, les dessins épurés. Ça a quelque chose de fort sympathique. Une beauté simple et limpide. Jour 29, on achève. Alors, jour 30, oh ben là, le petit toutou, il m'a fait craquer, lui. Hominus, me disait mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire inquiétant, inquiétant. Puis là, ben, j'ai pensé, le petit toutou qui vient de faire un mauvais coup, puis son maître le regarde avec des gros yeux, puis là, il se dit, oui, 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 oui. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce que, tu sais, les chiens, ça suit leur élan, c'est joyeux, puis ils pensent pas toujours ce qui est correct, ce qui est pas correct. Les animaux vivent beaucoup dans leur instinct. Donc, j'ai beaucoup aimé faire ce petit chien-là. Puis le dernier, oh ben j'ai dit là, le dernier, là, je vais m'appliquer un peu. Donc, c'est crawl, ramper, c'est mon dernier. Puis je pensais encore à mon petit-fils qui bientôt va aussi, lui aussi, se traîner à quatre pattes, mais pour le moment, il y a juste 3 mois et demi.
Donc, voilà. Puis, voyez, là, ici, j'ai exactement 31 pages pour l'année prochaine. Alors, tout le monde peut participer à ce défi-là. Vous irez voir sur Internet, Inktober. C'est vraiment motivant. Puis, on a besoin de choses motivantes et stimulantes en ce moment pour faire des choses qui nous font du bien. Donc, si vous aimez dessiner, pourquoi pas participer? Vous pouvez aussi participer aux croquistes si vous voulez faire un dessin par semaine. Venez nous rejoindre sur notre page Facebook, Les Croquistes de l'automne. Alors, voilà. Au revoir tout le monde. Puis merci pour tous vos encouragements. Bye.